Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la bourse d'excellence pour les étudiants internationaux. Si cette vidéo t'intéresse, je t'invite simplement à la regarder jusqu'à la fin puis à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Surtout, n'oublie pas de liker, de t'abonner si tu es nouveau et de pouvoir bénéficier simplement des informations que je donne ici gratuitement. Donc, premièrement, la bourse d'excellence va te permettre de suivre une formation technique au niveau collégial d'une durée maximale de 3 ans. Cette bourse-là, elle est financée par le ministère de l'Éducation supérieure et elle te donne plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que cette bourse-là va avoir une valeur de 14 000 $ par année. Elle va te permettre de bénéficier d'une exemption de frais de scolarité supplémentaires et aussi te donne accès à une protection d'assurance maladie, c'est-à-dire la RAMQ ici au Québec, c'est-à-dire régie d'assurance maladie ici au Québec. Donc, le programme va se diviser en deux volets. Premier volet, c'est le programme que l'on appelle programme de bourse d'excellence pour les étudiants internationaux au niveau collégial. Et cette bourse-là va avoir une priorité plus régionale. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier de cette bourse-là, tu dois être admis à un cégep qui est hors de la région métropolitaine de Montréal. Par exemple, au cégep de Gatineau, cégep de Chicoutimi, cégep de Saint-Félicien, cégep de Rimouski, cégep de Matane, etc., etc., ok? Et cette bourse-là, ce programme-là va concerner 44 pays. Dans ces pays-là, on va retrouver les pays comme l'Albanie, l'Algérie, l'Arménie, le Bénin, la Bulgarie, Burkina Faso, le Burundi, le Cambodge, le Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominique, Égypte, le Gabon, la Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Laos, le Liban, Macédoine, le Madagascar, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Moldavie, le Niger, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République de Maurice, la Roumanie, le Rwanda, Saint-Lucie, le Sao Tomé et Principe, le Sénégal, les Seychelles, le Tchad, Togo, Tunisie, Vanuatu et le Vietnam. Donc, ces pays-là vont pouvoir bénéficier de la première bourse qui est de priorité régionale, c'est-à-dire que ces étudiants-là doivent être admis dans un cégep qui est hors de la région métropolitaine de Montréal. Et le deuxième programme, c'est le programme de bourse d'excellence pour les étudiants internationaux dans les cégep en région. Priorité Afrique francophone, ok? Le premier, c'était 44 pays, il y avait l'Afrique, l'Europe, l'Asie, mais le deuxième volet, ça va être plus Afrique francophone. Donc, vous devez être citoyen de l'un de 30 pays d'Afrique, membre de l'organisation de la francophonie, incluant l'Algérie, ou être membre de l'organisation internationale de la francophonie, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, et présenter donc un excellent dossier scolaire. Donc les principaux pays donc de l'Afrique francophone concernés vont être l'Algérie, le Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, le Djibouti, l'Égypte une fois de plus, le Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République de Maurice, République démocratique du Congo, Sao Tomé Principe, le Sénégal, les Seychelles, le Tchad, Togo et Tunisie. Donc, pour ce faire, donc, vous devez soumettre votre candidature. Donc, vous devez être admis déjà dans un des cégep et c'est le répondant du cégep qui va vous fournir le formulaire de candidature. C'est-à-dire que si vous êtes déjà, si vous êtes encore à l'étranger, que vous êtes admis dans un cégep déjà ici au Québec, par exemple le cégep de Jonquière, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir déposer votre candidature. Donc, vous ne pouvez pas déposer la candidature avant d'avoir bénéficié d'une admission. C'est-à-dire que au préalable, vous faites déjà une demande d'admission dans un cégep ici au Québec et déjà dans un programme technique.
OK? Puis, une fois que la demande d'admission a été acceptée, vous êtes proche d'arriver, c'est à ce moment-là que vous allez contacter le répondant de votre cégep, lui soumettre votre candidature et c'est cette personne-là qui va faire le lien avec le ministère de l'Éducation. Donc, c'est cette personne-là, en gros, oh, je perds mon français! Donc, vous êtes intéressé par la bourse, vous communiquez avec le répondant de votre cégep, donc la personne qui est toujours en communication avec le ministère de l'Éducation supérieure. Cette personne-là va pouvoir vous donner un formulaire que vous allez remplir et à votre tour, vous allez soumettre le formulaire-là au ministère de l'Éducation. Donc, sachez que le nombre de places est limité. Et les places vont être offertes donc sur la base de l'excellence de votre dossier scolaire. Et pour ce qui est de l'année scolaire en cours, donc à venir 2021-2022, c'est déjà clos. Mais une fois de plus, vous pourrez faire donc à venir les demandes pour l'année scolaire 2022-2023. Moi, je vous parle de cette bourse-là pour l'année scolaire, principalement l'année scolaire 2022-2023, parce que l'année scolaire 2021-2022, les places sont déjà tout clos. Le dossier est déjà tout clos, il n'y a plus de place. Donc, pour ce faire, je vais vous mettre une fois de plus le lien en barre de description d'infos. Vous allez pouvoir aller cliquer s'il y a des numéros à appeler, vous allez pouvoir appeler. Et aussi, donc, n'hésitez pas à contacter votre cégep, n'hésitez pas à appeler, pourquoi pas, la Fédération des cégeps pour vous renseigner. Et simplement, ben, pour la future année scolaire 2022-2023, pourquoi ne pas tenter votre chance? En tout cas, ici, au Québec, il y aura plusieurs sortes de bourses qui existent. J'espère que je vais vous en apprendre davantage et vous en faire découvrir ce que vous ne connaissez pas encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous être abonné à ma chaîne. Merci de liker, de partager et surtout de rester fidèle pour les prochaines vidéos à venir. Portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt.